ça devrait marcher. On s'est fait une radio à Lernay. On le voit, mon zozo, dans le fond, là. Il y avait un avion, mais il est en train de partir doucement. Il y a un peu de vent, mais normalement, ça protège bien du vent. Le ciel est un peu noir, mais entre deux petites de ces dernières averses de printemps, on devrait bien y arriver. Alors, pour Gargantua, c'est simple. Tout s'organise autour de la Devinière, la métairie familiale, encore qu'il n'est certainement pas né, c'est de la légende, mais c'est pas grave. Et puis, dans cette petite vallée ovale, d'un côté vous avez la Roche-Clermault, de l'autre côté vous avez Lernay. On est ici à Lernay, et dans ce tout petit segment, ça définit une sorte d'ellipse, et c'est là que tout va se passer. Donc c'est facile, chaque lieu, chaque coin où on va, il y a le nom là, dans Gargantua. Pour le tiers-livre, c'est plus compliqué, mais on sait où, par exemple, l'astrologue Ertripa, eh bien, c'est à l'île Bouchard. La prochaine fois, on y sera, à l'île Bouchard. Juste à côté, il y a Panzou, il y a la Sibylle. On va y aller aussi. Mais le quart-livre, et moi, c'est important que j'aborde ça comme une grande fresque, tout de suite, pas linéairement. Le quart-livre, on est parti dans une grande circumnavigation. On va d'île en île, ou bien les Seines sont même directement sur la mer. Alors comment trouver ça? Moi, ça fait pas mal de jours, je passais là en voiture, je disais, mais elle est où la mer? Ce sera quoi notre mer? Sans jeu de mots, hein. Mais là, en passant de Lernay à Tizay, je vois cette espèce d'énorme statue monolithique et moche. Mais c'est un symbole d'autorité. Dans Rabelais, il y a toujours ça. Tu fais tout devant l'œil de Dieu, lui, son Dieu véritable, et tout étant selon le regard, là, et c'est ce regard-là même qu'on met en cause, ça, on verra ça plus près dans les textes. Même si vous prenez, imaginez qu'on soit là dans la tempête, que tout vienne là à partir éclair, infraction des flambantes nuées. Eh bien, il y a le mât et c'est Panurge qui fait le récit. Eh bien, il y a le géant derrière. Là, on va dire ça. Et moi, je me suis dit, c'est quoi la mer? Mais la mer, elle est dessinée par terre. Là, il y a du gravier rose, il y a du gravier plus gris. Ensuite, c'est l'autre carré, les grands grillages. C'est un tennis, mais là, il y a un poteau qui peut faire, si on veut jouer au basket. C'est totalement artificiel, mais c'est une scène. C'est une scène de théâtre parce qu'il y a l'autre, là, derrière. Et je me suis dit, et si c'était ça notre mer? Alors on en aura plusieurs, par exemple, j'ai repéré un coin, ce sera l'île des vents, j'ai repéré un autre coin, on fera l'île des gens qui ont des ans, beaucoup. Mais je me suis dit, si on se faisait comme une sorte de théâtre, de mini-théâtre là, dans le lieu même de Rabelais, puisqu'on est là, dans le village de Lernay. Et il suffit de très peu, ma petite table, mon micro, on est comme chez soi. J'ai ma partition, 540 pages, les quatre livres, et si on essaye, ce serait pour essayer ça. Si on imagine, comme disent les petits-enfants, mais ça c'est pas une question étrangère à Rabelais, qu'on y est sur la mer. Alors dans ce récit de circumnavigation, vous savez ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de fin. La fin, c'est l'oracle Bacbuc, mais il est dans les textes apocryphes du cinquième livre. Il y a un moment où s'arrête le quart-livre. Ça, pour moi, c'est essentiel. Le quart-livre s'arrête parce qu'on essaye de franchir l'Arctique via ce qui serait le détroit de Bering, mais Bering, il n'existe pas encore, il n'est pas encore né. Et à mesure qu'on va vers le froid, eh bien, quelque chose s'installe. Les paroles sont gelées. Les paroles sont gelées, ça veut dire que les paroles existent sans le locuteur, sans la possibilité de mentir, sans la démonstration qu'on veut faire. Et ça, c'est formidable. Les paroles gelées, elles sont juste l'avant-fin du quart-livre. Ensuite,
Ben, ce sera juste le silence. Et le livre s'arrête sur cette figure de Louvert. On n'a pas le droit de dire que c'est inachevé. Rabelais aurait eu le temps. Il avait même les esquisses. Mais ce voyage qui n'a pas de solution, prenons-le au sérieux. Et c'est ça, les paroles gelées. Comment en haute mer, Pantagruel, oui, diverses paroles dégelées. En pleine mer, nous, banquetant, grignotant, divisant et faisant beau discours. Et ça, je vous le demande de l'accepter. On y est en pleine mer, vous la voyez, la mer. Sentez, ça tangue, derrière le vent, les avions, tout ça. En pleine mer, nous, banquetant, grignotant, devisant, faisant beau discours, Pantagruel se leva, c'est lui là-bas au fond, se leva et se tint en pied pour découvrir à l'environ. C'est ça qui m'a fait tilt en passant devant là, l'évêque de Pierre. Puis nous dit, compagnons, auriez-vous rien ? J'entends un avion qui revient. Me semble que je vois quelques gens parlant en l'air, et je n'y vois toutefois personne. Écoutez, à son commandement, nous fûmes attentifs, et à pleines oreilles, humions l'air comme belles huîtres en écaille. Parce que les huîtres, sinon moi je connais bien, en Vendée c'était ça, il y a une énorme butte à huîtres même. C'est-à-dire tu les ramassais, on achetait du bois de barrique, le sel il venait des marais salants, et puis les huîtres décoquillées, salées, on les envoyait sur Paris. C'était ça, même le père de mon arrière-grand-père faisait encore ce métier-là avec des paniers d'osier sur l'île d'Oléron. Mais là je suis pas dans le texte. Mais les huîtres et belles huîtres en écailles, on ne les aurait pas transportées au XVIe siècle. À pleines oreilles, humions l'air comme belles huîtres en écailles pour entendre si voix ou son aucun. À pleines oreilles, humions l'air comme belles huîtres en écailles pour entendre si voix ou son. Oh là là! Et à pleines oreilles, humions l'air comme belles huîtres en écailles pour entendre si voix ou son aucun. Il serait épars. Et pour rien en perdre, exemple de Antonin l'Empereur, aucun, opposions nos mains en paume derrière les oreilles. Ce néanmoins, protestions, voix quelconque n'entendre. Pantagruel continuait, affirmant ouïr, voix diverses en l'air, tant de hommes comme de femmes. Quand nous fûmes advis, ou que nous les oyions pareillement, ou que les oreilles nous cornaient, plus persévérions, écoutant, plus discernions les voix, jusqu'à entendre mots entiers. Ce que nous effraya grandement, et non sans cause, personne ne voyant. C'est comme moi ici, là, tu t'installes, tu lis, ça fait la troisième fois depuis ce matin, personne vient. Tu parles à qui? Tu parles à quoi? Tu as un cycliste qui regarde, bonjour monsieur, mais... Ce que nous effraya grandement, et non sans cause, personne ne voyant, et entendant voix et son tant divers, d'hommes, de femmes, d'enfants, de chevaux, si bien que Panurge s'écria, ventre bleu, est-ce moque, nous sommes perdus, fuyons, il y a embûche autour, frère Jean, es-tu là mon ami, tiens-toi près de moi, je te supplie, as-tu ton braguemar, avise qu'il ne tienne au fourreau. Tu ne le dérouilles point à demi, nous sommes perdus. Écoutez, ce sont, par Dieu, coups de canon, fuyons. Je ne dis de pied, de main, comme disait Brutus en la bataille pharsalique, je dis à voile, à rame, fuyons. Je n'ai point de courage sur mer, en cave et ailleurs, j'en ai tenté plus, fuyons, sauvons-nous. Je ne le dis, vous voyez, ce fuyons, fuyons, je n'ai point de courage sur mer, en cave et ailleurs. Le commentaire vient juste là, sous la nappe principale, fuyons, je n'ai point de courage sur mer, en cave et ailleurs, j'en ai tenté plus, fuyons. Comme une espèce de contrepoint là, de tchang, comme une syncope quoi. Fuyons, sauvons-nous, et fuyons, je n'ai point de courage sur mer, fuyons, sauvons-nous.
Et recommentaire, je ne le dis pour pas ours que j'ai, car je ne crains rien, fort les dangers, je le dis toujours. Ainsi disait le franc archer de Bagnolet. Bagnolet. Pourtant, n'hasardons rien à ce que soyons nazardés, fuyons. C'est-à-dire le troisième fuyon, il vient non plus comme syncope pour casser le truc, mais il vient comme une sorte de coda juste après les trois phrases. Tourne visage. Vire l'apôtre, fils de putain! Plus à Dieu que présentement je fus en quinquennet, à peine de jamais me marier, fuyons! Nous ne sommes pas pour eux, ils sont 10 contre 1, je vous assure! Davantage, ils sont sur leur fumier! Nous ne connaissons le pays! Du fumier, en pleine mer! Bah ouais, ça veut dire que t'es dans ta ferme, alors que lui, là, il est l'errant, le passager, le visiteur. Ils nous tueront, fuyons, ce nous sera déshonneur. Ils fuyons comme s'ils se baladaient toujours dans des endroits où il n'est jamais au point rythmique où on l'attend. Démosthène dit que l'homme fuyant combattra de rechef. Retirons-nous pour le moins. Horche-poche, au trinquet, au boulingue, nous sommes morts. Fuyons de partout les diables, fuyons. Donc là, il y en a deux dans la même phrase et bam, 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 bam. Mais on reprend un petit peu là, ce qui se passait dans la tempête sans grande variation. Pantagruel, entendant l'esclandre que faisait Panurge, je dis, qui est ce fuyard là-bas? Oyons premièrement quels gens sont. Par aventure, sont-ils nôtres? Encore ne vois-je personne, et s'y vois 100 000 alentour. Mais entendons, j'ai lu qu'un philosophe nommé Pétron était en cette opinion que fussent plusieurs mondes se touchant les uns les autres en figures triangulaires équilatérales. Ça, pour moi, c'est une des plus belles phrases de Rabelais. J'ai lu qu'un philosophe nommé Pétron était en cette opinion que fussent plusieurs mondes soit touchant les uns les autres en figures triangulaires équilatérales, en la pâte et centre desquelles disait être le manoir de vérité et le habiter les paroles, les idées, les exemplaires et portraits de toutes choses passées et futures. Autour d'Issel, être le siècle. Le siècle, entendez, l'époque. Et en certaines années, par longs intervalles, par Dicel tombait sur les humains comme cathares et comme tombe la rosée sur la toison de Gédéon. Par là, restait réservé pour l'avenir, jusqu'à la consommation du siècle. Je me souviens aussi que Aristoteles, maintient les paroles de Homère être voltigeantes, volantes, mouvantes, et par conséquent, animé. Vous voyez, dans la poésie d'Aristote à laquelle Rabelais fait directement allusion. Définition de la poésie. Maintient les paroles de Homère être voltigeantes, volantes, mouvantes et par conséquent animées. Eh bien, c'est un défi pour aujourd'hui, pour nous. Oui. Davantage, Antiphane disait la doctrine de Platon. Est-ce parole, être semblable, lesquels en quelques contrées au temps du fort hiver, l'or en est vraiment sous une ligne d'aviation. Je suppose que vous l'entendez comme moi, mais c'est pas très grave. Salut, avion, va où tu veux, avion. Nous, on fait le tour du monde en bateau, là, sur notre théâtre de plein air, au tennis de Lernay, sous l'évêque de Pierre. Mais quand même, l'avion, il est un peu insistant. Mais en même temps, là, eux, ils sont devant ce brouhaha, ils sont dans ce brouhaha, nous, on l'a, le brouhaha. Notre brouhaha, c'est l'avion, je reprends. Davantage, Antiphane disait la doctrine de Platon aux paroles, être semblables, lesquels en quelques contrées, au temps du fort hiver, lorsque sont proférées, gèlent et glacent à la froideur de l'air, où j'ai froid déjà, et ne sont, oui, semblablement, ce que Platon enseignait aux jeunes enfants. À peine être dit ce, entendu, lorsque était vieux devenu. Or, serait à philosopher et rechercher, si forte fortune, ici serait l'endroit
auxquelles telles paroles dégèlent, nous serions bien ébahis si c'était les têtes et lyres de Orphée. Car après que les femmes thraces eurent Orphée mise en pièces, elles jetèrent la tête et la lyre dedans le fleuve Ébrus. Icelles, par ce fleuve, descendirent en la mer pontique jusque en l'île de Lesbos, toujours ensemble sur mer nageante. Et de la tête continuellement, sortait un chant lugubre comme lamentant la mort d'Orphée. La lyre, à l'impulsion des vents mouvant les cordes, accordait harmonieusement avec le chant. Regardons si les voix roncient autour. C'est pour ça qu'un petit peu de vent, là, nous aussi, ça ne nous gêne pas. Le pilote fit réponse. « Seigneur, de rien ne vous effrayez. Ici est le confin de la mer glaciale. » Vous savez cette phrase de Stephen Hawking, « L'univers est un... comment il disait ça ?» Bon, je vais laisser tomber Stephen Hawking. L'univers est un espace fermé sans bord ni frontière. Ici est le confin de la mer glaciale, sur laquelle, au commencement de l'hiver dernier, passé, grosse et félonne bataille. Ah, le pilote fit réponse. Là, je fais une reprise. Hein. Le pilote fit réponse. Seigneur, de rien ne vous effrayez. Ici est le confin de la mer glaciale. Confins de la mer glaciale. Oui, la phrase de Stephen Hawking, l'univers est un espace fermé, sans bord ni frontière, sur laquelle, au commencement de l'hiver dernier, fut grosse et félonne bataille entre les Arismapiens et les Néphélibates. Lors, gelèrent en l'air les paroles écrites des hommes et femmes, les chapelis des masses, les hurtis des harnais, des bardes, et hannissements des chevaux, et tout effroi de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, advenante la sérénité et tempérie du bon temps, elles fondent et sont ouïes. Mais en pourrions-nous voir quelqu'une ? Me souvient avoir lu que l'orée de la montagne en laquelle Moïse reçut la loi des Juifs, le peuple voyait les voix sensiblement. Tenez, tenez, dit Pantagruel, voyez-en-ci qui ne sont encore dégelés. L'or nous jeta sur le tillac pleine main de paroles gelées et semblait dragé, perlé de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels, être quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige et les oyions réellement, mais ne les entendions, car c'était langage barbare, excepté un assez grossier, lequel, ayant frère Jean échauffé entre ses mains, fit un tel son, tel que font les châtaignes jetées en la braise sans être entamées lorsque s'éclatent, et nous fit tous de paour tressaillir. C'était, dit frère Jean, un coup de faucon en son temps. Panurge requit Pantagruel, lui en donnait encore. Pantagruel lui répondit que donner parole était acte des amoureux. « Vendez-m'en donc, » dit Panurge. « C'est acte des avocats, » répondit Pantagruel. « Vendre parole, je vous vendrai plutôt silence, et plus chèrement, ainsi que quelquefois la vendit Démosthène moyennant son argentangine. » Ce nonobstant, il en jeta sur le tillac 3 ou 4 poignées, et y vit des paroles bien piquantes, des paroles sanglantes, desquelles le pilote nous disait quelquefois retourner au lieu duquel était proféré. Mais c'était la gorge coupée, des paroles horrifiques et autres assez malplaisantes à voir, lesquelles ensemblement fondues, ouïm, un, istique,
torche, l'ornim, brode d'ac, fru, bou, trac, tri, oh, god, je sais quels autres mots barbares. Quand je vous dis que c'est une partition, c'est là où si vous avez trac, TRA, 3C, TRAC, TRAC 1C, TRR, 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 donc TRR, 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 RR, tic, torche, lorgne, brode d'ac, bou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si t'as 8, bou, bah fais-les. Et autres assez mal plaisantes à voir, lesquelles, ensemblement fondues, Wim. Tic, torche, langue, brode d'ac. Bou, quelques autres mots barbares, ça se chante, Rabelais, on peut pas le faire sans chanter. Et disait que c'était vocable du hourre et hannissement des chevaux, alors qu'on choque, puis en ouïme d'autres grosses, et rendait sons en dégelant, les unes comme de tambours, de fifres, les autres comme de clairons et trompettes. Croyez que nous y eûmes du passe-temps beaucoup. Je voulais quelques mots de gueule mettre en réserve dedans l'huile, comme on garde la neige et la glace, et entre du feutre bien-être. Même à Montpellier, vous aviez des glacières, ou à Paris, il y a toujours une rue de la glacière. C'était dans les grottes en bas, bah, l'hiver tu mettais la glace avec bien de la paille, avec du feutre, et tu avais du froid toute l'année. Et entre du feutre bien net, mettre en réserve dedans de l'huile, comme on garde la neige et la glace, entre du feutre bien net, mais Pantagruel ne le voulut, disant être folie, faire réserve de ce dont jamais l'on a faute, et que toujours on a en main, comme son mot de gueule, entre tout bons et joyeux pantagruélistes. Là, Panurge fâcha quelque peu frère Jean, et le fit entrer en rêverie, car il vous le prit au mot, sur l'instant qu'il ne s'en doutait mis, et frère Jean menaça de l'enfer repentir, les cloches de Lernay pour nous, doit être 15 heures, en pareille mode que ce repenti joue Somme, vendant à son mot le drap au noble patelin, il y a toujours ce substrat des farces du Moyen-Âge, et advenant qu'il fût marié, le prendre aux cornes comme un veau, puis qu'il l'avait pris au mot comme un il. Panurge lui fit la babou en signe de dérision, puis s'écria, disant « Plus à Dieu qu'ici, sans plus procéder, juste le mot de la dive bouteille. » Alors la fin, Rabelais s'en tire comme il peut, mais c'est ça qui est dingue, c'est que ces paroles qu'on ramasse, qui sont des bruits de tambours, de trompettes, l'effroi de tout combat. Et c'est aussi des paroles n'ayant plus besoin de locuteurs, elles peuvent plus tricher, les paroles. Simplement, une fois qu'elles fondent et que vous les entendez, bah, si c'est la gorge coupée, et puis, c'est des langues qu'on ne sait pas déchiffrer, c'est des langues inconnues. C'est-à-dire que oui, les paroles sont devenues là, incontestables. Elles ne trichent pas. Les paroles. Simplement, est-ce que vous pouvez les comprendre, ce qu'elles ont à vous dire ? Là, réchauffées dans vos mains, et quand vous ouvrez vos mains, ces petites dragées perlées de diverses couleurs, ah, fondent et sont, oui. Ah ouais. Mais on ne sait pas ce qu'elles ont à nous dire. Et c'est pour ça que nous, on continue de les relire, les paroles gelées de Rabelais. Ouais, je sais pas, là, c'est parti, parler, lire, se tromper, recommencer, le vent, les avions, mais... Là, je crois que je l'ai trouvé, la mer. Là, moi, j'y suis, sur la mer. Je sais pas si on y est ensemble, avec notre vieil évêque de pierre, qui est le mât du bateau, qui est le géant, qui est tout ce qu'on veut. Mais, je crois qu'il faudra revenir ici. J'ai le sentiment, là, dans ce tout début d'aventure, que
c'est détecter ces points précis de la Terre et parler à une autre valeur. Et sur ces points, si on en fait une petite collection, ben, il sera prêt de nous. Voilà. Le monsieur, là, juste en bas, qui fait un peu de bruit aussi, il refait un mur de vieilles pierres. Un jour, on aura toutes ces rencontres. Allez, fini pour aujourd'hui.